Alors, juste après, dans cette confession, il me dit, est-ce que tu crois ton ange gardien? Toujours cartésien, je lui dis, vous savez, père, mon ange gardien, moi, je l'ai jamais vu. J'ai ramassé là la paire de gifles la plus célèbre de mon existence. Deux paires de gifles, quatre gifles, frappées avec le poignet parce que les mains lui faisaient mal. Quatre fois. Et il tend son doigt par-dessus mon épaule droite, il me dit, mais ton gardien, il est là derrière toi. Il est grand, il est beau. Je me suis retourné et j'ai rien vu. Mais lorsque mon visage est revenu vers lui, j'étais surpris parce que son visage tout entier est éclairé d'une étrange lumière. Il y avait dans les pupilles le reflet de l'ange. Et il m'a dit, quand tu veux me dire quelque chose, envoie-moi ton ange gardien. Le Créateur nous a fait le deuxième jour, le jour où il a fait le ciel. Nous avons veillé sur Adam et Ève. Nous avons vu leur fragilité et leur amour. Et puis nous avons vu leur chute et les avons pris en pitié. Nous n'étions pas de pierre alors, mais de lumière. Nous n'étions pas là pour intervenir, mais nous avons choisi d'essayer d'aider l'humanité. Et quand nous avons désobéi au Créateur, il nous a punis. J'ai entendu Yvan Aimé qui poussait des exclamations. Il dit, oh, 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 comme quelqu'un qui est témoin d'un spectacle pénible ou même horrible. Moi, j'étais à l'autre bout, là-bas, dans l'autre bout du bois, j'ai entendu, je suis arrivé un peu en courant, je l'ai trouvé ici même, et j'ai compris qu'elle suivait mystérieusement, avec son don de double vue, hein, une scène de profanation d'hostie consacrée. Elle a lâché quelques mots qui m'ont permis de situer la scène. Mais oh, ils sont deux. Oh, il la piétine, cette hostie. C'est une réunion secrète. Il la piétine. Oh, il la perce avec un poinçon. Mais elle saigne, cette hostie. Et à un moment donné, Yvan Aimé, qui était donc là, se redresse et prie son ange. Oh, je t'en prie, dit-elle, va me chercher cette hostie. Arrache-la aux mains des profanateurs, apporte-la moi, mon amour la réclame. Et aussitôt, elle et moi, nous avons vu un trait de feu, voyez-vous, qui passait là entre les arbres. Il partait d'assez haut quand même, descendant d'un oblique qui portait quelque chose de blanc. Et ce trait de feu nous a passé par-dessus la tête. Et il est venu se poser sur un petit sapin qui était là et qui est maintenant qui est disparu. Et nous sommes accourus tous les deux. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu une petite hostie, comme celle qu'on donne aux fidèles, qui se tenait debout sur une branche, en équilibre. Elle était percée au centre, et elle saignait, il y avait du sang frais. Et il s'est passé un autre petit phénomène, alors. Petit par rapport au premier, sur la porte, à l'intérieur de la porte de la cabane, elle et moi, nous avons vu une inscription qui se faisait sous nos yeux. Comme à l'informatique, vous avez les lettres qui arrivent les unes après les autres. Nous avons appelé le ciel a visité la terre. Ça s'est écrit sous nos yeux. Moi, j'étais le plus proche de la porte et il venait mettre derrière moi. C'est comme une sorte de authentification, si j'ose dire, mystérieuse.
quale eravamo e quale siamo. Eravamo figli dell'ira, oggi figli della grazia. E tutto questo per opera di Gesù e di Gesù crocifisso. Vi do la santa benedizione a voi e a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, alle persone voi care e anche alle persone a noi aperte. E questa benedizione scenda con voi, in nome del Padre, del Signore, del Spirito Santo, del Signore.